Donc, pour imiter la vieille pierre de taille, voici les matériaux dont on a besoin. Donc, de la chaux naturelle, du sable tamisé, 0,3 tamisé, ou à côté, j'ai des sacs tout prêts en 0,2. Alors là, j'ai un seau de 5 kg comme doseur. Ça, c'est le sable tamisé tout prêt 0,2, du sable à enduire. J'ai trouvé ça au Brico Dépôt. À côté, on a du cicaradère ou cicalatex. Ça, c'est un enduit qui permet de rendre la matière plus élastique et en même temps étanche à l'extérieur. Ça, c'est de la chaux blanche naturelle, ça on utilise. Et dans l'exemple là, je ne mettrai pas le cicalatex par contre. Et ça, c'est quand j'ai tamisé le sable, c'est les rebuts, les petits cailloux qui restent dans le tamis qu'on utilisera pour la déco. Donc pour le mélange, vu que c'est un premier essai, je fais ça dans la brouette. Alors là, je crois que oui, j'ai mis 3 doses de sable, 3 seaux de 5 kg de sable. J'ai mis un seau de chaux blanche et en ciment gris, à peu près la moitié. Là en fait je prépare la deuxième couche. J'avais fait un gobti auparavant sur le mur où je vais faire l'essai. Et là c'est un dosage donc pour la deuxième couche que j'ai teinté un petit peu rouge comme ça. Ça permettra de voir si entre la troisième et la deuxième quand je gratte ça fait ressortir le joint du dessous. Parce que là ce sera un joint usé, pas un joint gratté. Et sinon au niveau du mélange, sur la dernière couche, quand on fait la couche de finition, la troisième. Je trouve que si on fait 3 sables, 2 chauds et un demi-seau de ciment blanc, et ben on a une matière qui est parfaite. Elle se travaille bien, elle est bien plastique. Toutes les conditions sont requises. Alors ce qui est important, c'est de surtout là, c'est une erreur que j'avais fait. J'ai directement mis le pigment dans la brouette et ensuite je me suis rendu compte qu'il est préférable de le diluer dans l'eau et une fois dilué de le verser, ça colore bien plus vite. Donc là je rajoute encore un peu de teinte hein, pour qu'elle soit bien marquée hein, vu que j'avais pas dilué dans l'eau, c'est là que je me rends compte que j'aurais dû. Donc pour ce qui est de l'eau, moi je fais ça à l'œil, mais là j'ai quasiment un arrosoir complet au final, on va dire entre 10 et 12 litres, ça va dépendre aussi du sable, s'il est plus ou moins sec ou humide, mais dans tous les cas il faut obtenir quelque chose de moelleux et un peu comme un aspect plastique.
Voilà, notre mélange est prêt. Et là, on voit la consistance. Voilà, ça tient bien ensemble. C'est relativement humide, hein, c'est pas trop sec, hein, qu'on soit pâteux comme ça. Et là, on est prêt. Donc là, je suis dans la pièce où je fais mon essai. Un vieux mur, j'ai arraché le BA13 et enduit, une couche d'enduit. Pas d'enduit, un Gopti. Et maintenant, je mets la deuxième couche. Donc, le Gopti, première couche. Pareil, hein, le Gopti, là, je ne me suis pas embêté. Hein, c'était ciment, un tout petit peu de chaud. Et puis, trois sauts de sable. Et maintenant, la deuxième. Donc, le Gopti, je l'avais fait la veille. Donc là, je crépille. Hein, ça, comme on crépirait une façade. Mais par contre, on ne cherche pas à s'appliquer. On peut être irrégulier. L'important, c'est qu'il y ait une petite épaisseur de 1 cm, 1 cm et demi. Et celle-là, ce sera la couche de fond. On peut la teinter. Si par exemple, maintenant, la troisième couche, on gratterait, on ferait du joint large. Et à ce moment-là, on verrait la couleur de la deuxième couche qui ressortirait en dessous. Alors, ce qu'il faut aussi tenir compte, c'est que la surface qu'on commence, à partir de la deuxième couche, on ne peut pas s'arrêter et recommencer le lendemain, parce que sur la deuxième couche, à peu près 2-3 heures après, ça dépend comment ça va tirer, on va tout de suite mettre la troisième couche. Donc quand on avance, il faut bien prendre garde, à être sûr de pouvoir finir, parce qu'on ne pourra pas s'arrêter pour reprendre le lendemain. Donc là, une fois que j'ai fait une petite surface, j'ai passé la lisseuse, donc j'ai serré l'enduit. Pareil, je ne cherche pas à être parfaitement plat et tout, bien lisse. Je veux juste le resserrer pour qu'il puisse recevoir la deuxième couche, la dernière couche, la troisième, pas la deuxième, tout de suite après. Donc là, il y a à peu près 2 bonnes heures qui se sont écoulées et j'ai préparé donc un ton jaune ocre, c'est la troisième couche que je vais appliquer sur celle que j'ai mis juste avant. Donc là voilà la couche d'avant et en bas un peu couleur jaunâtre comme ça. Donc là c'est ma troisième couche, c'est celle où je vais faire le motif de la pierre. Pareil l'épaisseur 1 cm et demi, 2, il n'y a rien de régulier et on ne cherche pas à l'étaler régulièrement non plus. Bien entendu, sur cette couche, on est toujours avec du sable tamisé. On est sur du grain en 0,2. Et le dosage, donc c'est ici que j'ai appliqué 3 seaux de sable, 2 seaux de chaux pour un demi-seau de ciment blanc. La dernière couche, on passe en ciment blanc. La deuxième, ça peut être du gris, c'est pas très grave. Donc là, pareil, j'ai directement passé la lisseuse derrière, dès que j'avais appliqué l'enduit. Ensuite, les reflets plus foncés, j'ai coloré plus le restant d'enduit, je l'ai mis par-ci par-là et j'ai repassé un coup de lisseuse, ce qui fera un petit peu comme des veines, comme des couleurs un peu plus foncées dans la pierre. Là, à ce moment-là, il y a à peu près une heure qui s'est écoulée. Là, l'enduit commence à durcir et dès l'instant où il commence à durcir, je jette du sable tamisé dessus parce qu'il ne faut pas qu'il rentre dedans, il faut juste qu'il s'accroche dessus pour faire des empreintes et du sable un peu plus grossier, celui qu'on avait dans le tamis. Donc j'en ai aussi jeté un petit peu, tout ça dans le but de marquer l'enduit. Une fois que c'est fait,
Et ben, je prends un mètre et puis je vais repérer les endroits sur la hauteur que je veux que la pierre elle fasse, la longueur que je veux qu'elle fasse. Et je commence par tirer des traits à niveau. Alors moi dans l'exemple là, je vais faire des pierres de 40 cm de long sur 25 de haut à peu près. Et après on peut faire ce qu'on veut comme taille, plus petit, plus grand. Là c'est un essai pour voir si c'est facile à réaliser ces pierres ou pas. Alors quand on trace comme ça, j'utilise une lame de cutter juste pour marquer. Et surtout, j'enlève rien de ce qui est au mur. J'enlève pas le sable qu'on a projeté, tout ça, je laisse tout dessus. Et une fois que j'aurai commencé à creuser mes joints, à ce moment-là, je prendrai des petits coquillages, des vis, et je ferai des petits marquages dans les différents carrés de pierre. Ça fera croire un petit peu comme si il y avait des empreintes fossilisées sur la pierre. Ce sera plus réaliste. Alors je trace toutes mes pierres et après, une fois qu'elles seront tracées, quand on commencera à creuser les joints, on fera des petits mouvements d'avant en arrière avec la lame de cutter pour pas que ce soit quelque chose de super net et régulier. Et l'objectif là, c'est de faire un joint usé, pas un joint large ou un joint avec un bout de fer plat arrondi qui serait juste enfoncé, lissé. Donc là, je fais mes largeurs 40 de long et faudra pas oublier quand on fait ça de les décaler comme dans la vraie maçonnerie, il faut rester dans une logique. Alors je mets d'un niveau pour être plus ou moins droit, mais après mes traits creusés, eux seront pas droits du tout. Parce que c'est pas une pierre avec des bords pile poil bien droits que je recherche, mais une pierre usée. Donc voilà ce que ça donne avec les joints qui ont été tracés, donc juste tracés, hein, pas encore creusés, et là ils ont été creusés.
Après, une fois qu'ils sont creusés, que ça a plus tiré, on commence à brosser légèrement avec la balayette un petit peu le sable qui est resté. On tapote avec la balayette et une brosse métallique pour faire un petit peu comme des points d'écrou. Là, on voit aussi les empreintes de coquillages qui sont restées dans la pierre. Et le produit final, c'est assez réaliste. Bien sûr, là, c'est pas encore sec. Hein. Là, on est sur le jour même. Et maintenant, je pense qu'il faut quand même une semaine ou deux avant de voir la teinte réelle. Hein, parce que là, je pense qu'elle va s'éclaircir au moins de 50%. Alors là, cet essai de vieilles pierres de taille. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les utiliser pour faire des encadrements de fenêtres, on peut les utiliser pour faire des voûtes, des arcades, tout en imitation. Et ce qui est bien, c'est que contrairement à des pierres qu'on achète, des parements, là on a vraiment l'impression de pierre, quoi. Et la dureté, c'est du béton, quoi. C'est vraiment une très bonne dureté. Et ça peut être mis en extérieur en ajoutant un imperméabilisant dedans.